Ahmad Al-Adesawé, imam en chef de la ville de Wo, est présent dans sa mosquée, malgré les réticences de ses fidèles, qui sont encore terrorisés par la terrible attaque qui a eu lieu dimanche à l'église catholique de la ville. Des hommes armés non identifiés ont attaqué l'église Saint-Francis, tuant 40 personnes et en blessant plus de 60. J'ai essayé de parler à mon peuple parce que l'incident qui s'est produit a dissuadé beaucoup d'entre eux de faire leur culte dans la mosquée. Accompagné de quelques fidèles, l'imam a rendu visite aux blessés de cette attaque, tentant de réconcilier les deux plus grandes communautés de la ville de Wo. Ce qui s'est passé à Wo était inattendu. Personne ne s'y attendait. Le Nigeria dans son ensemble, quand on parle de sécurité, il n'y a pas de sécurité dans ce pays. L'attaque qui a eu lieu dimanche dernier pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-Francis de la ville de Wo a déstabilisé la relative accalmie qui régnait dans le sud-ouest du Nigeria.